Pour les 2305 passagers du Costa Magica, le rêve tourne au cauchemar. Refoulé de plusieurs ports de la Caraïbe cette semaine, toutes ses escales annulées. Voilà qu'il va se retrouver également bloqué au large de Fort-de-France. La raison, 5 personnes à bord sont malades, 2 passagers et 3 membres d'équipage. Le bateau va approcher les côtes tôt le matin. Il sera mis en attente devant donc la rade de Fort-de-France, donc à une distance d'environ 6 km à peu près. Ce qui permettra donc au bateau d'attendre que les médecins puissent monter à bord, faire des prélèvements, les analyser. Et donc pendant toute cette période, les gens resteront à bord en attendant le résultat de ces investigations. Les informations données à bord par les responsables du Costa ne vont pas dans ce sens. On assure aux passagers qu'ils pourront descendre à Fort-de-France. Or, ce ne sera pas le cas pour tout le monde et même si les tests reviennent négatifs, nous a assuré l'ARS. En fonction du résultat, si le résultat est négatif, le bateau sera autorisé à accoster. Et l'idée sera de libérer les Martiniquais qui sont sur ce bateau, qui puissent descendre en Martinique, qui est leur résidence. Par contre, ça se fera avec un contrôle de température à la descente et avec une information spécifique sur la surveillance à faire pour toutes ces personnes pendant 14 jours environ, de façon à ce qu'ils surveillent s'ils ont de la température, s'ils ont des symptômes qui arrivent. Et on leur demandera de systématiquement limiter leur déplacement et limiter les contacts, et surtout avec les sujets fragiles et principalement les sujets âgés. Ils seront considérés comme revenant d'une zone à risque. Les passagers non martiniquais ne descendront qu'en Guadeloupe. Et si les cas sont positifs, c'est tout le bateau qui sera alors consigné pour un temps indéterminé afin de vérifier quel passager aurait pu être en contact avec les malades. Une annonce qui risque de mal passer. Sur le bateau, la tension monte. Alors ce serait temps qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision de venir nous rejoindre ou de trouver une solution au problème qu'il y a sur ce bateau. Alors arrêtez de nous guetter par caméra et faites quelque chose avant que les choses dérapent. Merci. Pour rappel, 2300 personnes sont à bord, dont près de 300 Martiniquais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.